Sors, sale gaffe. Alors, ma presque. T'as dit, je t'aime, Anne. T'as dit, je t'aime à un niveau où tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas s'expliquer l'amour que j'ai pour toi. Mon amour de moi. L'amour que tu as pour moi. Tu ignores ce qui s'est passé la dernière fois ici. Mais ce qui s'est passé, j'ai arrangé les problèmes, non? Tu as arrangé quel problème? Si mais... maintenant là, son mari, si c'est son mari, si c'est ton frère, ou c'est qui même. Il a entrissé avec sa femme, on me bastonne encore, on me fout à la porte comme on m'a foutu dehors la dernière fois. Cette fois-ci, on te bastonne. Tu vas voir de quoi je suis capable. De quel bois je me chauffe. Tu vas voir que je suis devenu un colonel. Un général même. Un connard de son mari, un incampé, un matoufi, un malabar. C'est ce que tu dis aujourd'hui. C'est ce que tu dis maintenant. Viens ici. Ce que j'ai dit maintenant, je t'ai dit que moi que tu vois là. Regarde, tu sais, dans la vie, on dit que la paix c'est une bonne chose. Et le respect aussi. Tu vois, son mari c'est, bon, c'est quand même un grand frère, de loin un tonton. Mm-hmm. Bon. Tu vois, c'est quelqu'un que avant, il aimait beaucoup. Oui, avant, hein. Mais bon, maintenant, Grisal, c'est ma petite soeur. Ok, je vais faire comment? Si j'ai les moyens, je suis le seul qui a les moyens, est-ce que je ne veux pas les aider? Hein? Tu peux voler les perruques de ta soeur, tu peux cacher gâter sa porte. Tu viens me donner ses perruques. Vous me faites croire que c'est ce que tu as acheté pour moi. Lydia, attends. Quand tu dis que tu peux voler les perruques de ta soeur, c'est ma soeur, non? Tu dis bien que c'est ma soeur, donc si je prends la chose de ma soeur, je te donne ce que j'ai volé. Ça ne va pas dans ta tête. Ça ne va pas dans ta tête. Donc, c'est que la banane pourrie porte, c'est ce que moi je dois porter. C'est quand même ma soeur, hein. C'est quand même ma soeur. Faut pas appeler ma soeur banane pourrie. Faut faire attention. C'est pas parce que je t'ai donné tous les droits, là. Tu es ma femme, je t'aime, mais. Si tu veux insulter une personne, insulte son buffet là. C'est ton problème. Il faut insulter son buffet là. Faut pas. Ma sœur, c'est ma sœur. Si c'est ma même pas son corps. Tu sais que tu dois faire un enfant, non? Fais tu dois même accoucher les jumeaux. Dans quelle maison? La maison aussi. T'as dit que. Il va te dire quelque chose. Ici, maintenant, je suis le seul maître des lieux. Je suis le patron des patrons. Maintenant, tu comprends? Mm-hmm. J'ai les papiers de la maison. J'ai tout. Où tu me vois là? Jesus. Moi, je n'aime pas les blagues pareilles. Si tu parles de quels papiers? Quels papiers? Quoi? Je dis que j'ai des papiers que ce Courmagnon a signé. Sa femme et lui, les deux ont signé. J'ai les papiers. Ici, tu es libre. Tu veux dormir où? Aujourd'hui, on dort sur le lit. Dans la chambre. Comme tu as dit, keep. Je te dis que je t'aime. I love you. Because mon tonneau, moi. Non, attends. J'espère que tu es sûr. Ouais. Parce que moi, je ne veux vraiment plus être ridicule. Anya Maloba. Tu n'as plus confiance en moi. D'ailleurs, elle va commencer à la nuit avec Alisson. Attends, je vais d'abord voir. Montre sur le papier là. Attends. Faut pas dire les choses comme ça là. Je ne dis pas quoi. L'homme de maison ouais, qu'on a ici. Ouais, montre-moi d'abord le papier là. Moi, il t'a dit, hein, je marche avec, c'est comme ma carte d'identité. On a aussi écrit en anglais là. Hey, moi, je ne comprends pas l'anglais. Lis-le, le côté français. Mm-hmm. Il va te traduire le reste après. Donc, ta soeur est venue en esclave. Son mari est en esclave. Me, my name is Robert Grev. Laisse, je vais t'expliquer ça un jour. C'est fini. Non, j'étais dit que. Estelle et moi dans cette maison. C'est maintenant ma domestique. Quoi? Arrête, c'est ma sœur. Estelle et moi dans cette maison. Tata Pian. Pardon. Évite Estelle. Évite Estelle. Je t'ai dit que ton vigile ici, ton boy ici, c'est son robot là. Je ne prononce plus que ça. Si tu prononces que ça, moi je vais m'énerver. Dans tous les cas. I love you. Ne fais pas ça, I love you. C'est ce qu'il y a dans ce papier. Donc, ce n'est pas mon problème. Voilà.
C'est ma domestique et son mari, c'est on dit quoi? Ton domestique. Ah, machin, je veux pas savoir. Ce que tu as dit, tu as dit. Mais maintenant, tu dois venir dormir ici tous les jours. Maintenant, tu peux gémir comme tu veux. Si tu veux, tu cries même. Tu comprends? Agnambe. Tu fais comme le chien. Si tu veux, comme le chat. Si tu veux, fais comme tu veux. Comme la chèvre. I will give you two pekin. For them, baby. Yeah, two. Ouais. Il t'a dit que je t'aime, I love you. Et quand c'est mon nom, hey. Ouais. Et Astra. Après, ouais. Quand tu illumines ma vie, tu me donnes le sourire aux lèvres. Crystal, ça va? Jesus. Ça va? Tu es rentré? Jesus. C'est ton nom, c'est pas ton nom. Pardon. Si tu as mangé. Non, j'ai faim. Faut me donner à manger. Tu manges alors? Tu as préparé l'eau? Jesus. Jesus. Je peux savoir ce que cette fille fait ici. Rectification, ta nouvelle patronne. C'est Prisca. Tu parles de Prisca comme c'est Prisca ici. Tu n'as pas bien vu seulement. C'est Prisca. Crystal. Jesus. Depuis une semaine que tu es revenu dans cette maison, je vis un véritable calvaire. Est-ce que tu l'as constaté? Que je ne suis pas sûr. Quel calvaire? Tu vis quel calvaire? Dis-le, ça fait une semaine que tu vois mon mari dormir sur ce canapé. C'est mon problème. C'est mon problème. Tu n'as qu'à libérer. Je m'occupe de toi. Libère. Ne t'adresse pas à Dis-le. La personne ici là, qui n'est pas la bienvenue ici, c'est le... Le musclor là. Jesus. L'incampé là. Jesus, tu peux m'écouter? Le matophile là. C'est quoi la fin? Si tu t'amuses avec moi, je te fous à la porte. Je me fous à la porte. Je te supporte. Compris? Tu te calmes quand je parle. Depuis une semaine que tu es rentré ici, je te mon mariage bat des ailes. Mon mariage est en train de tirer vers la faillite. Mon mariage est en train de tomber. Et ça ne te dit rien. Mon blanc, une semaine, mon mari ne dort pas à côté de moi. Il ne veut même pas me toucher. Il ne veut même pas me parler. Est-ce qu'il ne veut même pas entendre parler de moi? Il mérite même de toucher. Il mérite. Je ne t'ai pas branché. Je ne t'ai pas branché. Tu parles de ma sœur. Laisse-moi ton chien là. Laisse. C'est plus que. Laisse. Si ton mari ne te touche pas, Crystal, cherche le bois. Jesus, ça commence à bien faire. Cherche le bois. Tu te connes. Je te dis, ça commence à bien faire. J'en ai marre. Tu m'agaces, tu m'étouffes. Je te dis que je ne veux pas prendre des mesures sévères et strictes. Alors, si je parviens à pas, je veux te mettre, je te fous dehors. Jesus. Et sache que je ne parviens pas à te supporter. Ce n'est pas ton cinéma que tu as fait dernièrement, comme quoi tu voulais mourir là. Arrête ça. Tu penses que si tu refais la même chose, ça va influencer ou faire peur à qui que ce soit dans cette maison, je ne sais pas. Ton petit papier sur lequel tu te bases ou tu te refais là, qui te fait croire que tu as signé, tu vois, je ne veux pas voir. Tu as signé ton mariage. Je n'ai pas besoin de vous avez signé. Alors si tu t'amuses même un peu, je te fous dehors. Ah oui. Et si ton mari veut continuer, je l'amène à la brigade. Ce n'est qu'un banal papier. Ce n'est qu'un banal papier. Tu connais ce qu'il va dire, écrire un papier? À ce que je sache, je ne pas directement sur les papiers véritables de cette maison. Tu t'envoies à l'école, fais quoi? C'est pas super. Tu le connais pas? On n'a pas signé que non, on te léguait cette maison. Ah bon? Vous avez signé quoi? On a dit que tu pouvais faire ce que tu veux. Et maintenant, on n'a pas quoi? Dit que cette maison t'appartient. Et maintenant, je fais quoi? Je fais ce que je veux, non? Attends que cette fille sorte. Mais là, debout, et qu'elle sorte de maison. Pour ta gouverne, vous allez dormir de l'autre côté. Qu'est-ce qu'elle dit qu'elle dort? La principale. Je vois qu'il y a les fidèles dans vos mémoires, dans vos cervelles. Et bientôt, elle va tomber enceinte. Tu as l'argent pour t'occuper d'un enfant. Elle va tomber enceinte. À bang mieux. Tu sauras t'occuper d'un enfant. Mais tu as l'argent, non? L'argent de qui? Tu as l'argent, non? Attends, ce n'est pas ton neveu. Mon argent. Ce n'est pas ton neveu, dis-le, Junior. Quel ton argent? Ce n'est pas l'argent là que tu mets la location ici. Tu es sûr que tu es le seul qui monte sur ça? Tu connais comment elle marche? Elle t'a vu avec un autre. Des conneries. Tu connais comment elle marche? Des conneries. Disons, je ne travaille pas mon argent pour m'occuper des bâtards. Mon argent? Tu seras ton neveu? Responsable de ses actes. Ton neveu? Le neveu de qui? D'un vampire, d'un sorcier comme toi. Attends, tu penses comment elle est là? Elle m'a des femmes. Que ça?
Le médecin m'a appelé. J'aimerais voir le style d'enfant que vous deux là, vous avez maintenant. Le médecin m'a appelé. Oh, il doit aller au... Vous ne pas dire l'air comme vous-même. J'ai besoin de 50 000, il doit aller au rendez-vous. Viens, Franck. Hein? Franck. Il va aller au rendez-vous. Donc, dans tout ça, c'est mon argent que tu veux. C'est pour la maladie. C'est mon argent que c'est tu veux. C'est pour la maladie. Jesus. Hein? Ne me fais pas devenir fort. Que cette fille sorte. Et que ça, je veux. Il faut. Que cette fille sorte, dis-le, ne me dis plus que ça, il faut. Pardon, c'est la mère de ton neveu. Ok, dis-le, tu prends son côté. Tu prends son côté. C'est ma femme. J'ai l'impression que ce petit pouvoir, quand t'as un peu confié cet ancien. Toi, tu es ma sœur. Moi, je ne veux pas avoir des problèmes avec toi. Tu ne vois pas, ça te monte déjà la tête. Cristal, je n'ai pas de problème avec toi. Pardon. Si tu vas dis-le, si cette fille ne sort pas dans les 10 secondes qui suivent, je me déshabille. Et puis, 3. Ok. Tu vas me voir nu. 1, 2, 3, 4, 5. Quand toi tu vois cette chose, tu peux imaginer qu'il y a quoi d'autre. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi. Mon Dieu. Attends, je veux savoir. Dans votre famille, si vous faites quoi? Vous faites, c'est du théâtre. Hosanna, c'est la comédie. À toi, ce n'est pas toi qui, il y a une semaine de cela, tu défendais que ce fiefé Bouyanfié parte de cette maison. Aujourd'hui, tu veux te déshabiller parce que cette fille assise là, tu t'attendais à quoi? Tu l'appelles comment? Tu t'attendais à quoi? Tu m'appelles comme ça, tu sors d'ici. Qui sort? Directement. Il sort d'ici. Tu sors d'ici. Oui. Tu sors d'ici. Ah, le papier. Tu sors d'ici. Donc, en tout cas, ne t'en fais pas. Mais tu t'as mis, tu sors d'ici. Écoute, je n'ai même pas de soucis. C'est lui qui sème autant de zizanie dans ma vie. C'est lui qui sème la zizanie dans ta vie? Ou bien c'est toi-même qui a programmé cette zizanie? Dernièrement, quand j'ai dit à Jesus de s'en aller d'ici, qu'est-ce que tu as dit? Il part où? Tu m'as cité le code, combien de fois cette maison est tienne? Combien de fois c'est toi qui payes plus, qui mets plus d'argent ici? Tu pensais au point où tu m'as fait savoir que j'étais un inutile. Tu as bafoué de la main. Tu as bafoué de la main notre relation. Chaque jour. Il n'y a donc pas de problème. Chaque jour. Je vais écouter. Bah, laisse ma soeur tranquille. Écoutez. Tu ne mérites pas ma sœur. Jesus. Tu ne mérites pas une femme telle, une telle femme comme ça. Jesus. Assez-toi, Régine, je te mérite. Lâche-moi. Vous allez. Tout à nous, vous allez partir vous deux. Écoute. Tu blagues. Jesus, ne t'ennuie pas. Si tu me touches à vous me suivez, ne t'ennuie pas. Jesus, tu es un grand monsieur. La preuve, la femme est assise là. Ça fait pratiquement une semaine que je dors là sur le canapé. N'est-ce pas? Tu es dans la chambre là-bas. J'espère tout au moins qu'il va te trouver un homme. Un homme important. Il y en a. Tu pourrais. Il y a mes amis là. Comme il dit qu'il a des amis qui sont bien. Il y a mes amis qui ont beaucoup d'argent. Il y a mes amis qui travaillent au ministère. Même j'en ai. Ça, tu me fais honte. Tu me fais honte. Non, tu vas rester là. Tu ne vas pas tourner le dos. Tu ne vas nulle part. Ouais. Ce que je venais te dire aujourd'hui est que toute cette semaine m'a permis de réfléchir. Chaque jour. De bien réfléchir. Chaque jour. Tu comprends un peu? Depuis un certain temps. S'il te plaît, Jesus, t'inquiète, tu es chez toi. Alors, calme-toi. Laisse-moi parler. Je peux parler. Toi, je veux te donner. Est-ce que je peux parler? Jesus, je peux parler. Pardon? Je veux toujours parler. Laisse. Monsieur, est-ce que je peux parler, s'il vous plaît? Je peux parler, s'il vous plaît, comme je suis chez vous. Je suis chez vous. Il n'y a pas de problème. Je suis donc venu te dire une chose. Tu vois, depuis 2-3 jours là, je ne vais vraiment pas... Permets que je parle. Ça fait pratiquement 2-3 jours. Parce qu'il a une odeur nauséabonde là. Il se lave vous-même. Ça fait 2-3 jours que je ne vais pas... Laisse-moi d'abord. La famille unie. Donc, ça fait 2-3 jours que moi, n'est-ce pas, je ne pars pas au travail. Tu ne l'as même pas constaté parce que je n'ai pas le moral. Tu gagnes. Alors, j'avais demandé. Tu gagnes combien? Monsieur, tu vas m'écouter. Tu gagnes combien? J'avais demandé plus que toi. À ma société, n'est-ce pas, de me donner quelques jours que je ne me sentais pas bien. Je ne me sentais pas bien moralement. Et tout ça, c'est à cause de qui? À cause de toi. Donc, il n'y a pas de souci. Je suis venu ici aujourd'hui te dire une chose. Moi, je ne savais même pas que j'allais tomber sur une scène comme celle-ci. Hein? Ouais. Tu vas continuer de vivre ta vie. C'est ce que vous allez faire. Jesus, c'est toi. Jesus, dès aujourd'hui, vous allez vivre votre vie ici. Moi, Rob le Grizzly, j'ai décidé de m'en aller.
Bye bye. Tu vas rester avec ton frère. Vous restez chez vous. Je vais partir. Bonne nouvelle. Faites un peu de fait de ta maison, de ton frère, ce que tu veux. Tu comprends un peu? J'ai trop fait. Je t'ai prouvé tout mon amour, toute mon affection, mais il se révèle à la fin que moi, je suis un inutile. Donc, Crystal, je te souhaite le meilleur. Si un jour, il te vient à ton bon souvenir que je peux encore revenir vivre avec toi, faire ma vie avec toi, tu vas devoir mettre ce bien fier dehors. Et ceci, ce sur un temps. Pas ce jour-là. Dès que tu parles, je vois la maison aussi. Tu comprends? Ça, c'est moi. Donc, tu parles de moi. Tu n'es pas sérieux. Si je ne suis pas sérieux, tu as fait un choix de vie, Jesus. Ouais. Non? Continuez votre relation. Je vais juste prendre mon sac. Tu supplies qui? Je reviens et je m'en vais. Tu supplies un campé, un matoufi, un malaba. Tu supplies un matoufi comme ça là? Laisse-le partir. Enfin. Un malaba. Tu supplies un matoufi comme ça là? Laisse-le partir. Enfin. Laisse-le partir. Dis-le, si tu parles encore, je vais te tuer. Je vais tuer quelqu'un ici. Si tu te proches encore, tu vas voir ce que je vais te faire. Je vais te tuer cette fois-ci, vrai, vrai. Tu me tues. Parle-le encore. Est-ce que tu vois ce que tu fais? Attends, si tu me tues, tu vas rester avec qui? Dis-le, tu ouvres encore ta bouche. Non, attends. Tu ouvres encore ta bouche. Je n'ai pas ouvert la bouche. Je te pose seulement la question. Si tu me tues, tu vas rester avec qui? Je n'ai pas besoin de. Tu es seul dans le ventre de ta mère. Tu es seul. Je n'ai pas besoin de toi dans ma vie. Hein? Est-ce que tu vois tout ce que tu as fait dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que tu vois tout ce désordre? Quel désordre j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Dis-moi. C'est tu pour peux ton me dire ce que j'ai fait? Hein? C'est pour ton bien. Toi, tu ne parles pas. Ok. Je pense que j'ai pris le plus important. Tu as pris le sac d'habits. Non, les habits ne me servent à rien. Non, j'ai assez d'argent. Parce que ça nous encombre ici. Non, il pourra les mettre. Donc, je pense que le compte, soyez heureux, le compte soyez unis, soyez bien. Je n'ai pas de soucis. Je n'ai pas de compte à te rendre. C'est votre maison. Des maisons comme celle-ci, je pourrais reconstruire. Aka. Vas-y, fais ta relation avec ton frère. S'il te plaît, tu ne me touches pas. Tu ne me touches pas. S'il te plaît. Tu suis ce que je dis. Assez-toi, pardon. Demande à ton chef Gouignafié le frère de s'en aller d'ici. Oh. Et on sera heureux. Tant qu'il est là, je ne serai plus ici. Tu as compris? S'il te plaît. S'il te plaît, ne me touche pas. S'il te plaît, ne me touche pas. Tu as démontré que tu peux pleurer. Assez-toi aussi. Tu ne peux pas pleurer. Ça sont des larmes de crocodile. Donc, soyez heureux. Merci. Oui, soyez bien. Bonne route. S'il te plaît, tu vas me laisser. Tu vas me laisser. Tu me laisses avec le point. Tu me touches encore. Tu ne me touches plus. Touche-le encore. Essaie encore. Fais ta vie avec lui, avec Jesus. Alors, c'est lui qui te met. Bombo. Ouais, dis donc. Bombo, yo. Dieu merci. Maintenant. Ne pleure pas. Je suis libre, nous sommes libres. Va nous faire le café. Tu prépares aussi. Tu me mets un morceau de sucre. Jesus, tais-toi. Va nous faire le. Tu t'amuses, tu vas le suivre. Tu le suis comme tu t'amuses là, tu pars avec lui. Sois assuré, je vais te tuer de mes propres. Tu dis ton frère. Je vais te tuer de mes propres. Tu dis ton frère. Fais-moi confiance. Laisse-le pas nous faire manger. Tu verras. Non, fais le café. Fais le café. Ah, laisse. Ça, c'est le bruit. Laisse ça. Fais ça, c'est le bruit. Comment? Adou. Je vais finir avec beaucoup. Laisse ça. Ne mets pas trop de sel, pardon. Il y a aussi mes slips aux toilettes. Hein. Un morceau de sucre là. Adou, je te dis que tu dois avoir les jumeaux. Hein? Quand tu la vois les jumeaux la nuit ici. Les jumeaux, toi aussi. Toi, tu vois quoi, les triplés? Non. Tu vois quoi? Tu le vois la fois maintenant? C'est trop tôt. Donc, trop tôt. Chaque jour, mon bénéfice, c'est quoi? Hein? Regarde ce que tu poses sur la tête. Tu connais combien ça coûte? Je veux le pouvoir. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. Demain, tu donnes le papier. Hein? Tu donnes le papier. Et tu dois tomber enceinte. Pour encore bien te mettre sur pied. J'ai dit là qu'elle va laver mes caleçons, elle a lavé. Elle va laver. C'est ma sœur, hein. La personne qui devait me laver tes caleçons, elle est partie. Et Dieu merci, nous a libérés. Aujourd'hui, je vais dormir sur le lit. Le lit, on appelle le grand lit, on appelle ça quoi? C'est gros comme ça, non? Oui, les. Ça fait, c'est. You bap. Hey, Adou. I love you.